Salut à tous, bienvenue dans le compte-rendu de cette deuxième journée de l'Open B de Vendeuvre. Donc je vous rappelle, j'ai 9 parties à jouer. J'en ai déjà joué 2 hier, la deuxième s'est finie très tard. Et j'étais très fatigué d'ailleurs quand j'enregistrais la vidéo de la première journée. Et donc là je viens de finir la deuxième journée, et j'ai joué 2 autres parties, toujours de 1h30 plus 30 secondes. Ce qui est une cadence super longue, j'ai pas l'habitude. Faut vraiment tenir la durée, surtout quand on a 2 à faire dans la journée. Donc là, aujourd'hui, il y en avait effectivement 2. Celle d'hier, pour rappel, j'avais affronté un 1756 et un 1713. J'ai gagné une et perdu l'autre. Et là, ce matin, donc troisième partie, j'affronte encore un 1706 pour être exact. Ok, et donc j'avais les blancs, j'ai joué D4. Et il a répondu G6. Ce qui est une défense moderne. Alors si je joue C4, ça peut retomber sur une défense est-indienne comme celle d'hier. Mais tant qu'il a pas joué cavalier F6, c'est pas si sûr. Donc contre la défense moderne, moi j'ai un autre système, qui est de jouer E4. Et ensuite, donc de mettre mon cavalier ici, c'est-à-dire que je jouerai jamais C4. Mais ensuite, je vais probablement jouer F3 dès qu'il aura mis son cavalier en F6. Et ensuite essayer d'attaquer à l'aile dame, à l'aile roi avec G4, H4, faire un grand roque. Donc pour ça, je mets mon fou sur E3. Alors A6, B5, c'est le truc que les noirs doivent faire dans cette ouverture-là, si je me mets à faire un grand roque. C'est peut-être un peu prématuré de jouer A6, normalement il devrait d'abord s'occuper de son cavalier et de roquer. Mais bon, pourquoi pas, on continue. Donc B5, grand roque. Donc là je joue F3, j'ai pas attendu qu'il m'attaque, qu'il joue cavalier F6 pour attaquer le pion. Je sais que de toute façon il va jouer fou B7, mon pion va être attaqué 2 fois. Le cavalier qui est là, de toute façon, il peut être chassé à tout moment, donc attention si c'est le seul défenseur. Donc pour toutes ces raisons, F3 est un coup utile. Et après, j'attaque avec H4. Alors l'ordinateur préfère G4. Là honnêtement, je sais pas du tout comment choisir entre les deux. Peut-être G4 avec dans l'idée de chasser le futur cavalier. Mais tant qu'il n'y a pas de cavalier, pour moi c'est H4, H5. Du coup j'ai joué H4. Et, pardon, je vais un peu vite. Et là j'hésitais entre H5 ou bien cavalier E2. J'ai cru me souvenir qu'il fallait mieux jouer cavalier E2 d'abord. Et là, coup qui m'a paru mystérieux, cavalier B6 au lieu de roquer. Pourquoi il met son... Où est-ce qu'il veut aller avec son cavalier? Puis je me rends vite compte qu'il veut aller en C4, où il attaque mon fou et ma dame. Je pourrais jouer B3 pour l'empêcher. J'ai pas tout de suite envie de compromettre mes pions. Je me suis dit, si je joue fou H6 et qu'il vient là, je pourrais toujours mettre ma dame en G5. Donc ça m'embêtera pas et le cavalier n'aura plus de cible. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc là, je sais pas s'il était un... Je pense qu'il était plus ou moins obligé de prendre. Donc là, je suis plutôt content. C'est moi qui suis en train d'attaquer. Il n'a pas de... Il n'a pas encore roqué. Et là, il joue E5. L'ordinateur est content aussi de la position des blancs. Et là, je décide de chasser le cavalier. Avec l'idée qu'une fois que je chasse, je gagne un pion. Parce qu'il ne peut pas recapturer à cause du clouage. Ce pion-là est cloué. Donc là, j'étais content de moi. Sauf que, j'avais pas vu, il peut d'abord prendre ici. Et donc là, ça marche plus si bien. Surtout quand je reprends avec la tour, là. Ouais, j'aurais dû prendre le cavalier ici, je voulais pas ouvrir la colonne. Enfin, compromettre ma défense, mais... Après, je me suis retrouvé avec un cavalier super fort ici. Donc ça, c'est un problème.
Et si je le chasse, c'est moi qui vais me retrouver avec des problèmes. Tout simplement, madame se fait capturer même. C'est pire que des problèmes. Elle est obligée d'aller là, et après, s'il fait ça, je pense qu'elle est capturée. Donc quand on a une dame ici, il faut quand même faire très attention à ce qu'elle ait des cases de repli. Bon. Donc j'ai quand même vérifié que en jouant cavalier ici, la dame se faisait pas capturer. L'idée c'est de pouvoir jouer à H5 et de reprendre éventuellement ici s'il y a une capture. Et si madame peut pas se faire capturer puisqu'elle peut toujours revenir ici. C5, bon, je m'attendais un petit peu à ce coup. Je suis revenu en D2 pour pouvoir un jour jouer tour D1. Dame 7. Et donc là, il prépare à faire un grand roque. Ce qui embête un petit peu. Là, j'ai eu longtemps réfléchi. J'ai failli jouer H5, mais je crois que... Ah si, j'ai joué H5, ok. Et donc là, comme prévu, il a fait grand roque. Et c'est là que j'ai longtemps réfléchi. Est-ce que je prends ? L'idée c'est que si je prends et qu'il reprend, je peux décider de donner ma dame contre deux tours. Normalement deux tours sont légèrement mieux qu'une dame, mais ça dépend de la position. En l'occurrence ça serait deux tours qui sont pas connectées entre elles, dans une position qui n'est pas encore très ouverte et mon fou est pas du tout développé. Donc je décidais que c'était pas trop dans mon intérêt. Donc j'ai replié la dame, je vous expliquerai après pourquoi, mais si on l'avait fait, je sais pas ce qu'en pense l'ordi. Déjà, est-ce qu'il reprend avec le pion F, H ou avec le pion F ou avec le cavalier? Il y a beaucoup de possibilités. S'il reprend avec le cavalier, je suis plutôt content parce que ce cavalier qui est très bon s'en va. S'il reprend avec le pion F, pour moi c'était pas très clair qu'est-ce qui se passe ensuite. Et s'il reprend avec le pion H, est-ce que c'est un bon plan? Les noirs ont l'air d'être légèrement mieux, selon leur dit, dans cette variante que j'ai décidé de ne pas faire. Et quand on fait un grand roque aussi, il faut toujours jouer roi B1 à un moment, ce que j'ai pas fait. L'ordinateur adore roi B1 depuis tout à l'heure. Il y a toujours moyen de mettre un cavalier ici et de tout échanger. D'échanger beaucoup de choses. Donc c'est pas clair. Et donc j'ai joué dame G5 parce que je trouvais que c'était mieux. Pourquoi? Parce que comme cette dame n'est pas défendue, je cloue le cavalier. Et en fait c'est pas un bon calcul, je m'en suis rendu compte. C'est qu'il est pas vraiment cloué, il peut très bien bouger pour défendre la dame. En particulier si je mets un cavalier là pour essayer d'attaquer la dame encore plus, je perds carrément une pièce. Puisqu'il me prend ici. Et c'est la mienne qui n'est pas défendue non plus. Donc il défend la sienne, il attaque la mienne. Je peux pas reprendre le cavalier puisque je perds la dame. Et s'il échange les dames, alors il reprend avec le cavalier. Donc là c'est pas à moi de jouer, mais qu'est-ce qu'il a joué d'ailleurs? Il a joué H6, mais disons qu'il joue un autre coup. Je me suis rendu compte avant de le faire que si je mettais un cavalier ici, je perdais une pièce. Donc c'est ce que je vous expliquais. Parce que là, cavalier prend, la dame est défendue. Donc je viens de perdre un cavalier et comme madame est pas défendue, j'ai pas le temps de le reprendre. Donc à cause de ça, dame G5, finalement que j'ai joué, après l'avoir joué, je me suis rendu compte que c'était pas si génial. Donc j'ai joué H6, madame est obligée de reculer. Je me suis dit, vaut mieux pas qu'elle recule là parce qu'il y a une fourchette. Ouais, je pensais qu'il allait repousser aussi mon cavalier, mais en fait il a décidé de prendre le pion. Et puis là je me suis dit, je vais pas prendre le pion avec le cavalier tout de suite. Rien ne presse. Vu les deux pions qui sont là, je vais pouvoir le reprendre plus tard. C'est là que j'ai fait une petite erreur de calcul d'ailleurs, puisque je me suis dit d'abord... Ouais, je me suis dit si je reprends avec le cavalier, il reprend... pourquoi ça me plaisait pas? Je décide que je
une fois qu'il a repris. Enfin, peu importe qu'il échange ou pas ici d'ailleurs. Je me suis dit ça va lui permettre de jouer D5 parce que la case D5 n'est plus suffisamment défendue. Là, je l'ai attaqué 3 fois, 4 fois. Donc peut-être pas D5 tout de suite. Mais ouais, du coup, j'ai voulu garder le contrôle de la case D5. Je me suis dit je pourrais prendre le pion plus tard sans aucun problème. Donc j'ai joué mon cavalier C en D5, ce qui force pas mal d'échanges parce que j'attaque la dame. Et puis l'autre, hop, et je me suis dit je prendrai le pion après, il y a aucun problème. Seulement, j'avais pas vu que dame G5 fait échec et attaque ma dame. Donc je suis obligé d'échanger les dames, sinon je perds la dame. Et du coup maintenant sa structure de pion est réparée et j'ai même un pion de retard. Donc, je suis passé d'une position où j'avais un avantage de plus 1 à ce moment-là, c'est ça? Non. Plus 1 d'après l'ordi. Ah, bah légèrement moins bien. J'ai même un pion de retard pour être précis. Je suis même étonné que l'ordinateur dise juste moins 0,2 parce que ce cavalier est très bon et ce fou-là est très mauvais et j'ai un pion de retard. Et pour l'instant, j'ai aucun moyen de récupérer un pion. Donc, là, j'ai joué A4 pour activer mon fou. Je me suis dit, s'il reprend là, je vais peut-être prendre ici avec échec. Mon fou sera actif. Et il a joué Roi C7. Donc là, j'ai pas trop compris puisqu'il rend un pion. Mais l'ordinateur a l'air de dire qu'il n'y avait pas mieux. C'est-à-dire qu'on a joué ça, ça et ça. Il a rendu un pion. Mais est-ce qu'il était obligé de rendre le pion? Pourquoi il fait pas juste un échange? Moi après mon idée c'était ça. Le roi va quelque part. Et donc ok, au bout du compte je vais quand même récupérer le pion ici. D'accord. Donc A4 c'était encore mieux que ce que j'avais calculé, ouais. Puisque ça gagnait vraiment un pion. Ok. Intéressant ce petit coup. Donc là il renforce un petit peu. J'ai mis mon roi ici pour pouvoir essayer d'attaquer sur la colonne A. Et il a décidé de jouer tour H6, lui il veut jouer sur la colonne H. Donc là une décision un petit peu difficile. J'ai envie de jouer ma tour ici et de la mettre là. Mais après, s'il vient là, j'ai mes deux pièces qui sont attaquées. Par exemple ça, ça. Ça me permet pas de m'infiltrer, d'après ce que j'avais calculé. Ou alors m'infiltrer là. Ok, mais en tout cas là ça marche pas. Ah, moins 0,2, bah, peut-être que si, mais je comprends pas pourquoi. Attendez, parce que si je viens là, je perds une pièce quand même, non? Oh, ou alors il y a un mat. Mais je vois pas comment. Non, c'est quoi cette histoire? J'ai perdu une pièce. J'ai perdu une pièce, mais j'ai un échec perpétuel, quelque chose comme ça? Ou une menace de mat? Hein, avec B4, c'est intéressant ça. Il est obligé d'aller là. Non, il n'est pas obligé, sinon c'est mat. Ah, il est obligé de rendre la pièce, sinon il se fait mater. Ouais, j'ai pas du tout vu jusque là. Non, alors là. Waouh. Ok. Donc du coup, j'ai pas fait ça, j'ai joué C4 pour protéger le fou avant de venir avec la tour. Lui il continue sur son plan d'avancer le pion H, qui est un bon plan parce qu'une fois qu'il va attaquer G2, il y a le cavalier qui attaque F3 et je peux pas faire grand chose contre. Je réfléchissais à jouer F4, sacrifier un pion en espérant le récupérer plus tard, vu leur mauvaise coordination après. Alors, je sais plus si je pensais à le faire maintenant ou avant. Je sais pas trop ce qu'en pense l'ordi. L'ordi il aime pas. Pas du tout même.
Je l'ai pas fait parce qu'au final, il peut mettre une tour en G8 et il récupère celui-là et après celui-là est passé. Donc apparemment, j'ai eu raison de renoncer à ce plan. En plus, il prend avec échec. Donc tour à 1. Donc les noirs sont toujours mieux à cause de ces problèmes-là. Hein. Ce cavalier qui est très bon et ce fou qui fait pas grand chose. Je suis obligé de prendre et de perdre un pion en gros. Mais j'en récupère un. Je peux récupérer celui-là. Donc c'est ce que j'ai fait. Ah, moins 3. Ouh, c'est une grave erreur visiblement. Ouais, il aurait mieux valu tout de suite essayer de se mettre derrière le pion là. Bon. Moi j'ai pris le pion. Autre erreur. On a échangé des tours et donc là j'étais même perdant, mais de toute façon je voyais pas comment sauver la situation. Je sais même pas en quoi tour G7 vraiment améliorer mon sort. Ouais, essayer d'améliorer l'autre tour. Donc bref, ça s'est passé comme ça. Donc voilà, ici j'ai fait échec pour me mettre ici derrière le pion passé, très important. Seul moyen de résister un petit peu. Donc bien sûr, il pousse le pion. Après, j'hésitais entre deux plans possibles, essayer de ramener mon roi. Ou essayer de ramener mon fou. Pour bloquer le pion. J'ai décidé de pas ramener mon roi parce que... Bah si je venais là, il y avait échec déjà. Et après, je crois que ça me plaisait pas qu'il mette son cavalier ici et que le cavalier défend le pion sur G2. Non, c'est même pas ça, c'est juste que je perdais un pion de plus. Donc je me suis dit, je vais mettre le fou ici, ici. Et après, c'était pas trop clair de... Et après, au moins, ça empêchait... parce que là, j'ai calculé. Fou D8. Tour échec. Je mets mon roi quelque part. Et le pion vient là. Et ensuite, pour lui, le plan, c'est de mettre son cavalier ici en F3 pour protéger la case de promotion. Donc... Si cavalier en F3, je peux mettre mon fou en H5 pour essayer d'empêcher le cavalier de venir en F3. Donc voilà la raison. Donc il fait échec comme prévu. Là je ne me mets pas sur la première rangée. Parce que bah, une fois que le pion avance, après il peut faire échec et tout de suite faire promotion. Donc je me mets sur la troisième rangée. Pas beaucoup d'autres choix. Il avance. Je mets mon fou là, c'est le seul coup. Là, il vient avec son roi. Donc, effectivement, j'ai bloqué cavalier F3, c'est déjà ça. Et donc là, l'ordinateur n'aime pas du tout que j'ai joué B4. Lui, il a un pion passé ici, et moi, il faut absolument que je crée un pion passé de l'autre côté pour avoir du contre-jeu. Sinon, je fais que défendre. Visiblement, j'aurais dû jouer tour G7. J'avoue que je sais pas trop pourquoi. Tour G7. C'est quoi l'idée exactement? Juste d'attendre. Tour G8. Donc, pas mieux que d'attendre. Alors, pourquoi ça? C'était un coup perdant. Ah oui, parce qu'une fois qu'on échange, il y a le cavalier qui vient faire échec. Et ça peut avoir des conséquences. C'est-à-dire que maintenant, le cavalier va venir là. Non seulement il attaque mon fou, mais ensuite, mais en plus il protège le pion. Et donc la tour va avoir toute liberté pour venir en F1 protéger la case de promotion. Donc je suis venu en B5, je me suis rendu compte de tout ça, mais qu'est-ce que vous voulez faire à ce moment-là? Je suis échec. Et je pensais qu'il allait venir là avec son cavalier. D'abord, effectivement, faire échec. Ça peut pas faire de mal de repousser mon roi encore plus avant de venir là avec le cavalier. Et là, l'ordi dit que je suis vraiment très mal parce qu'il peut faire des menaces de mat, en fait, tout simplement.
Ah, je pensais qu'il allait mettre son cavalier ici. Mais en fait, il a rien fait de tout ça. Il a joué roi E5. Il veut céder de son roi. Au final, s'il était venu là, bah là, déjà, il y a une menace de mat en 1. Donc, pour l'empêcher, je dois jouer. Alors, j'aimerais bien jouer ça pour au moins essayer de partir vers là. Mais ça, j'avais vu avec l'ordinateur que. C'est encore pire. Enfin, c'est lui qui va finir par me faire des menaces de maths. Par me mater. Par exemple, si je vais là. Ouais, ça finit par un mat. Comme ça. Non. Ah oui, non, bah, pas tout de suite, mais bon. Il fait dame pour enlever ma tour et après il fait mat. Mais bon, bref. Et donc là, il n'a pas joué tout ça. D'ailleurs, moi, je pense que j'aurais pas non plus insisté pour essayer de mater. J'aurais essayé de faire la promotion. Donc, mais moi, j'aurais joué ça, je pense. Est-ce que c'était mauvais? En tout cas, je m'attendais à ce coup. Tac, et puis là, il peut. Ah non, il peut pas encore. Ah oui, donc ça aurait été bon si sa tour était encore là. Donc, ok. La partie a continué comme ça. Alors, attendez. Je suis venu là, il est venu là. J'ai eu mon fou. Voilà. Pour attaquer le pion. Donc, bien sûr, il attaque le fou, il défend le pion et mon fou peut pas aller ailleurs. Donc là, je suis obligé de donner le fou, malheureusement. J'ai donné le fou pour un pion. Mais je n'ai pas encore abandonné. Parce qu'il me reste deux pions. Et lui, un. Si jamais j'arrive à ne serait-ce que échanger ces deux pions-là. Et même si je perds celui-ci, après, on imagine que les trois pions disparaissent. C'est très très difficile de faire mat avec tour plus cavalier contre tour. Je crois que c'est possible, mais waouh, c'est super dur. Donc j'ai encore des chances de nul. Alors à ce moment-là, bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut que je pousse mon pion passé. Et il revient très justement avec son cavalier. Peut-être revenir ici pour bloquer le pion. Moi je le pousse. Elle est venue avec son roi. Là, l'ordi n'aime pas ce coup. Ça a l'air bien de revenir avec le roi. Et là, je me suis dit peut-être mettre la tour en Viens de C8. revenir avec le roi, papa. Oui. Et c'était le premier coup qui m'est venu à l'esprit. Mais après, il y a le cavalier qui débarque. Par contre, ça, ah, finalement, j'ai joué ça, j'ai trouvé le bon coup. Il peut pas prendre le pion parce que sinon je prends ce pion avec échec et je récupère le cavalier. Peut-être même que c'est moi qui vais gagner. Et donc, là, il commençait à être embêté. Et il avait d'ailleurs plus beaucoup de temps à sa pendule. Il a décidé de créer une menace de mat. L'ordinateur dit que je dois revenir là, que c'est le seul coup. En gros, j'ai le choix entre aller là et là pour empêcher le mat, en clair. Donc, je suis allé là-haut, qui est pas bon. Je m'en suis très vite rendu compte puisque échec et gagne le pion et donc la partie probablement mais il a pas vu, il a cru que ça menait au mat ce qu'il faisait en fait. Il m'a dit après la partie il a cru qu'il avait un mat mais pas du tout. Et même il aide mon roi à se mettre derrière mon pion passé. Donc là, ne pas faire l'erreur de venir en C7 parce qu'il y a petite fourchette après. J'ai pas fait l'erreur. Et en plus, il peut toujours pas prendre le pion, puisque sinon je prends celui-ci avec échec et le cavalier. Donc là, il est embêté. Et bah, qu'est-ce qu'il peut faire? S'il veut défendre son pion, cavalier H5, c'est le meilleur coup, selon l'ordi, y a pas mieux. Un peu triste. Et donc là, j'ai encore avancé mon pion. Maintenant, je menace. Si j'arrive à sortir mon roi, je menace de faire promotion. Donc il bloque mon roi.
Là, j'ai longtemps réfléchi. Moi, j'avais une demi-heure et lui, il avait plus que 5 minutes. Et j'ai joué. Ouais, je décide de mettre ma tour ici pour essayer de faire échec comme ça. Pour l'instant, mon roi peut pas sortir parce que il fait échec. Et si mon roi s'en va, bah, il me prend le pion. Et là, il joue cavalier G7 qui empêche ma tour de venir là et qui attaque aussi ma tour. Alors, et donc là, bah j'ai joué ça, l'ordi a l'air d'accord. J'attaque le cavalier. Et puis, donc là, je me dis, si vous jouez cavalier, après je vais pouvoir faire échec, et puis on verra si ça m'aide. Mais là, il a joué tour à 2. Et finalement, bah, il a pas mieux que répéter les coups. Bon, il a une menace de mat. Si mon roi vient là, bah, il vient ici, échec. Et si mon roi vient là, il vient ici, échec. Donc là, je suis allé là, il a fait échec. Et comme mon roi peut plus venir là, bah, il est obligé de revenir à la maison. Enfin, en C8 en tout cas. Là, il répète les coups. Ce coup-ci, je vais essayer d'aller de ce côté-ci, mais là, il faut pas que j'aille de ce côté-ci. En tout cas, pas en A7, sinon tour B7, échec, il gagne. Donc, je suis revenu là, et puis après, bah, partie nulle par répétition. Donc, je m'en sors très très bien contre un 1706. J'étais vraiment vraiment perdant à cause de ce mauvais calcul. L'erreur principale, ça a été de jouer Dame G5 ici pour moi. Et là, la deuxième erreur, c'était de ne pas reprendre le pion tout de suite. Ouais, même là, j'étais mieux en fait. De ne pas reprendre le pion, j'ai cru que je pouvais le reprendre plus tard. Ok, donc quand même une partie super intéressante. Elle a duré longtemps, c'était tendu. Mais c'est bien fini. Je m'en sors très bien avec une nulle. On peut pas être mécontent de ne pas avoir gagné. Vu la tournure que ça prenait. Voilà. Et donc la deuxième. Là j'avais les noirs. Je joue un 1693, donc toujours au même niveau à peu près. E4, et puis là je savais pas trop quoi jouer entre E5, D5, E6. Je connais pas mal de choses contre E4, et j'ai joué E5, et on a fait une partie italienne. J'avais plus envie qu'il fasse une partie espagnole parce que je connais des trucs rigolos. Je connais des trucs rigolos aussi sur l'italienne, mais c'est trop risqué sur une partie lente, donc je me suis retenu. Donc j'ai joué la ligne principale. Et là sur C3, donc cavalier F6, tout ça je connais. D4, prend, échec. Et après j'ai récupéré ce pion là. Tout ça c'est du connu. Et là, il roque. Donc ça m'a surpris parce que j'ai l'impression que je peux gagner un pion. Si je prends le cavalier, hop, hop, je gagne un pion. Mais après, s'il attaque mon cavalier, il faut que je fasse très attention. Faut que je fasse attention à ce que mon cavalier se fasse pas capturer. Et puis qu'est-ce qui se passe aussi s'il fait fou prend H7, roi ici et dame B3 qui récupère la pièce. Donc c'est pas si sûr que ça que je gagne un pion en fait. Du coup, donc là, je disais que je connaissais jusque-là, mais après roque ici, je savais pas. Donc en fait le bon coup c'est de prendre avec le fou, et une fois qu'ils reprennent, je pense qu'il faut pas reprendre le pion. Jouer D5 pour consolider, empêcher ces histoires-là. Donc moi j'ai décidé de prendre avec le cavalier, parce qu'une fois qu'il prend avec le pion, je peux prendre avec le fou. Sauf qu'il y a toujours cette histoire-là, qui récupère le fou. Donc j'ai quand même pris, mais seulement après j'ai pas
pris le pion. Je me suis dit, je vais d'abord chasser le fou, et ensuite je pourrais prendre le pion. Ou alors, à moins qu'il décide de prendre mon pion, je reprends le fou, et il reprend mon fou, mais dans ce cas, je gagne un pion. C'est ce qui s'est passé. Et là, j'ai bien vérifié que je peux effectivement gagner un pion. S'il fait échec, je bloque comme ça, et tout va bien. Et plus compliqué, s'il fait échec en A4, qui attaque le cavalier et le roi, bah j'ai le temps de me replier. Le cavalier va bloquer. Et ensuite, si par exemple cavalier E5 qui attaque ma pièce clouée, il n'y a pas de problème parce qu'il est bien défendu une fois, deux fois. Donc je dois pouvoir roquer dans ce cas-là. Donc après tous ces calculs, j'ai pris. Bien sûr, j'avais pas vu que il peut se faire échec avec la dame en D, en E1. Et donc là, je perds une pièce. Voilà. Donc comme quoi on peut jouer plusieurs parties de 3 heures plutôt très bien et sans faire d'erreur aussi grossière et ensuite donner une pièce au 10e coup. Au 11e coup pour être plus précis. Donc après voilà, j'ai une pièce de retard alors je vais à l'abordage, une attaque désespérée. Mais il a très très bien joué. Je vais vite parce que c'est un petit peu douloureux. J'ai grand roqué pour essayer d'attaquer sur la colonne H, mais en même temps je prends le risque de me faire attaquer ici. Je sais très bien que si je joue bien, je vais me faire exploser. Et il a d'ailleurs très bien joué, ça allait encore plus vite que ce que j'avais vu. Parce que là il attaque madame et il attaque ce pion là. Je pensais le défendre ici comme ça, mais en fait là il va attaquer, il va prendre mon pion à 5 et après bah, c'est mort. Et donc là il a joué cavalier, il a joué ça encore, forcément mettre la tour ici, puis après le pion arrive, après le cavalier arrive et là j'ai abandonné. Donc c'était une partie très très courte. J'ai abandonné après cavalier D4. Donc voilà, j'essaie de voir le bon côté des choses en me disant que ça m'a permis de faire une partie courte, donc je vais pouvoir me reposer. Parce que c'est vrai que c'est très fatigant, c'est super longue partie. Bah voilà pour aujourd'hui, donc bilan de cette journée, bah pas terrible évidemment. En même temps c'était un 1693, donc pas une surprise de perdre, mais quand même. Et du coup je suis à 1,5 points sur 4 possibles au bout de 4 parties. Voilà, et bah on se retrouve demain pour le compte-rendu de la troisième journée, où logiquement je vais affronter des joueurs un peu plus faibles cette fois-ci. Voilà, merci à tous, salut.